Bonjour amis voyageurs. Eh bien vous savez quoi? On est à Rome. Allez, on vous emmène. Donc dans cette vidéo sur Rome, je vais essayer de vous emmener dans tous les coins qu'on va aller visiter, mais je vais essayer d'insister plus sur les lieux moins connus du grand public et je vais pas trop insister sur les lieux très célèbres comme le Colisée. On va voir quelques images, un léger blabla, mais on va faire rapide sur les lieux très célèbres. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, il pleut, mais c'est pas grave, j'ai trouvé un coin à l'abri, on va faire la petite vidéo vite fait. Donc le Colisée était fini dans les années 80 après Jésus-Christ, et il a perdu ses activités durant l'époque du Moyen-Âge. Et on va pas la faire longue, le Colisée, Wikipédia, quelques images. Alors on est sorti du Colisée et bien sûr, 3 minutes après, il fait beau. Juste de quoi bien nous mouiller. Ah, juste à côté du Colosseum se trouve le Forum Romain, qui est vraiment un site immense. Donc c'est pareil, hein, ça fait partie des grands sites à visiter à Rome. Donc je vais vous la faire courte, hein, mais c'est vraiment immense. Si vous recherchez de la vieille pierre, il y a de quoi faire. Derrière nous se trouve la colline Palatin. On va aller y faire un tour et voir de quoi il s'agit. On est au sommet de la colline et on n'en a pas l'air, mais nous sommes dans un palais. Ou ce qu'il en reste. Mais ça devait être magnifique, hein. C'est dommage qu'ils ne mettent pas de photos de reproduction de comment c'était à l'époque. On arrive à peine à deviner grâce à certains marbres qui restent, certaines gravures. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemblait avant, ça devait être vraiment très très beau. Donc le Forum Romain et la colline Palatin sont inclus dans le billet du Colisée. Ça nous a coûté 16€ par personne, mais je dois dire que le Forum et la colline, je pense qu'on aurait dû payer beaucoup plus cher. Je sais pas combien c'était, mais je pense que c'est beaucoup plus cher. Mais cet endroit mérite vraiment d'avoir un tour guidé, en fait. C'est vrai que c'est dommage, on n'a pas toutes les histoires, on n'a pas toutes les anecdotes. Et je pense que ce lieu est énormément chargé d'histoires. Et pourquoi il y a un lapin géant ou un chinchilla au milieu du parc? C'est un lapin géant. Bonjour Lapinou. Salut. Je te dérange? Tu es énorme. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Donc voilà, peut-être qu'un guide aurait su me dire pourquoi il y a un lapin géant ici, je sais pas. Mais en tout cas, ne serait-ce que le château et les ruines en bas, vraiment, je pense que si vous venez payer le tour guidé, je pense que c'est un de ces endroits qu'il mérite. Je sais pas combien c'est, j'ai pas vérifié, mais je pense que ça aurait vraiment mérité qu'on casse la tirelire pour ici. Dommage pour nous. Alors voilà le sommet de la colline. Ça donne une super vue sur le forum. Il y a toute une partie qu'on n'a pas encore fait. C'est immense ce forum romain. Et la vue depuis la colline, elle est juste fantastique. Ok, on a envie d'un café maintenant. Alors, on est au Vittoriano, je sais pas si c'est un palais, un palace, je sais pas ce que c'est. Mais rien que l'entrée. Bouah. Je me sens importante là pour le coup. Quelle entrée! Donc voilà, on va aller prendre un café au café qui se trouve sur le toit du bâtiment. Et ça donne vue sur le forum, le Colosseum. Ça m'a l'air pas mal du tout ça. Ok, on vient d'arriver au café. Si vous continuez par là, il y a un ascenseur qui, je crois, coûte 7 ou 8€ et vous emmène tout là-haut pour la vue. Mais nous, on est venu pour boire un café et, quitte à en profiter, profiter de cette vue qui est absolument magnifique déjà depuis
cette hauteur, je vous montre ça. Voilà. Ça donne une super vue sur le forum et sur le Colisée, juste en face. Magnifique. Vraiment super endroit pour venir boire le café. Donc la vue depuis ce palais, oh, je recommande totalement, ne serait-ce que pour rentrer dans le palais qui est gratuit, c'est vraiment magnifique. Maintenant on vous emmène à l'église de Sant'Ignazio de Loyola, qui a 12 minutes à pied je crois, vraiment pas loin. C'est gratuit également et ça a l'air magnifique. Allons trouver ça. Très richement décorée en peinture, cette église est à l'origine faite pour l'université à côté. C'était la commande d'un pape dont c'était l'université dans le passé. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment énormément de peinture dans l'église, mais la plus célèbre, pourquoi cette église est célèbre, c'est celle-ci, car en fait le plafond est plat. Les nonnes qui vivaient à côté ne voulaient pas d'ombre dans leur jardin, donc ils avaient créé cette église pour être plate, et le peintre a donc créé un trompe-l'œil pour donner cette illusion de voûte au plafond de l'église, et c'est magnifique. Donc vraiment un bel endroit à visiter dans Rome. En vous tenant sur l'étoile, vous pouvez, en regardant au sommet, jurer avoir un dôme ici, alors que c'est complètement plat. C'est un parfait trompe-l'œil qui se trouve dans l'église, en plus des magnifiques peintures. Vraiment, je recommande totalement cet endroit. Il est, encore une fois, c'est gratuit à visiter. Il est à 10 minutes à pied depuis le forum. C'est magnifique. Et ne ratez surtout pas également un petit passage. Jetez un coup d'œil dans le miroir. C'est un miroir grossissant qui vous permet de voir les peintures de plus près et vous prendre en photo devant. C'est juste génial. Regardez ça. Un petit euro pour illuminer l'endroit et accessoirement le soutenir, parce que vraiment c'est magnifique. On vient de finir cette belle église et seulement à 10 mètres à pied, donc juste en face, on arrive au Panthéon. Voilà, qui est également gratuit, je crois. Par contre, il faut faire la queue pour entrer, même en période Covid, ce qui est un des rares endroits où vraiment on a la queue. Elle n'est pas immense, hein, cela dit, c'est le seul avantage du Covid. Ça a réduit les queues touristiques. Seul avantage, on veut dire. Parce qu'il nous embête bien. Donc on va la faire courte. Le Panthéon est gratuit de visiter, bien sûr. Il abrite les corps de personnes très très célèbres, comme par exemple le peintre Raphaël. Sinon, c'est encore aujourd'hui, il a été construit au 2e siècle. Oh. Merci Locke. On va la refaire. Donc je reprends un peu plus loin de l'ordre. Donc ça a été construit au 2e siècle après Jésus-Christ et c'est encore aujourd'hui le bâtiment avec le toit en béton le plus grand du monde. Et c'est très très beau. Bon, pour moi la seule question qui reste, c'est comment ils ont fait ça au 2e siècle, hein, parce que c'est pas léger tout ça. Et c'est vraiment très très beau, j'insiste sur ce point, hein. Vraiment, c'est... Je voulais pas le faire, j'avais vu des photos sur Google, je trouvais ça bof. Et en fait, c'est vraiment un très très beau bâtiment. Allez, next. On va finir notre journée ici. On attend notre bus pour retourner au Val, mais j'en profite. Juste là-bas, vous pouvez voir le théâtre Marcello, qui est un ancien théâtre antique. Et des maisons ont été créées dessus, des vraies maisons où des gens habitent. Et pour la petite histoire, l'un des étages supérieurs a été vendu récemment à plus d'1 million d'euros pour habiter là, au sommet d'un théâtre antique qui pourrait s'effondrer à tout moment, je dois dire. Je
pense pas que ce soit le meilleur investissement immobilier, mais bon. Allez, direction bus, van. Et à demain. Et bonjour en cette nouvelle journée. Nous sommes au marché Campo di Fiori, qui est censé être un joli marché. Après, il a plu des cordes ce matin, donc je pense qu'il est moins chargé que d'habitude. C'est un marché touristique désormais, mais dans le passé, c'était un marché de fleurs, ce genre de choses. Et il est censé y avoir pas mal de street food, un truc comme ça dans les environs, donc on va aller promener un petit peu. C'est parti! Bon, le marché, c'était plutôt décevant, mais le quartier aux alentours est vraiment très joli, donc ça vaut le coup d'y faire un tour quand même. On a pris un petit cappuccino, un petit snack. Et maintenant, on va aller visiter le Vatican. Pas de blabla pour le Vatican, tout le monde sait ce que c'est, pourquoi, comment. Je vais juste vous mettre quelques petites images. Et on se retrouve après. Ça y est, on s'est extrait du musée du Vatican. Donc vraiment, le Vatican prévoit la demi-journée, l'après-midi entière. On a mis 2h45 en accélérant sur la fin pour faire juste le musée. Et ça, c'est sans compter les périodes d'affluence normales. Nous, on n'a jamais fait la queue, en fait. On a fait la queue 3 minutes au portique de sécurité, même pour faire la chapelle. Donc vraiment, prévoyez du temps pour le Vatican. Sinon, voilà, c'est un nouveau jour. Et nous sommes à l'arrière de la place du Capitole. Donc la place du Capitole a été créée par Michelangelo. Elle est vraiment jolie. Mais surtout à ne pas rater, c'est derrière cette vue. Regardez ça. Tout le forum. Et le Colosseum. Magnifique. Allez, on se lance dans une nouvelle journée. C'est parti. Mais le soleil vient juste de revenir et nous on vient juste d'arriver ici, la place Navona. J'ai quelqu'un pour me dire où on est à chaque fois. Voilà notre jolie place de Rome. Il y en a vraiment beaucoup, donc je pense que c'est la dernière que je vais vous faire, peut-être avec la place d'Espagne, on verra. Mais sachez que juste balader dans Rome, ça vaut le coup. Maintenant, on va aller manger. Le but dans Rome étant de vous perdre, de visiter les petites ruelles, les petites boutiques. Et profitez de votre temps ici, tout simplement. La place d'Espagne et son escalier. Un escalier, oui, on l'a vu. Je sais pas pourquoi c'est célèbre et c'est à ne pas manquer. C'est un escalier, au cas où vous en auriez pas chez vous. On vient de sortir de la crypte des Capucins. C'était 8,50€ l'entrée. Eh bien, je recommande. Écoutez, ça fait un bon changement. C'est original. Vous aurez ni image ni photo parce que c'est interdit. Mais je vous mettrai le site en description de la vidéo. Et vraiment, petit passage. On était
Nous deux et une autre personne dans le musée. C'était vide. On a bien pu en profiter. C'était vraiment sympa, je recommande. Et c'est juste là. Ok. Ça en fait de la marche pour aujourd'hui, mais c'est reparti. Kilomètres on a marché, mais on est crevé. On comptait monter jusqu'au quartier Copédé, mais non, non, c'est trop loin pour un si petit quartier. Si vous êtes en bus ou autre, profitez, allez-y, il paraît que c'est sympa. On va passer. Allez, on va continuer à marcher, mais cette fois-ci pour retourner vers bah, la direction de notre bus, hein, avec quelques arrêts en chemin. Voilà. On est mort. Bonjour amis voyageurs, une nouvelle journée au soleil après notre journée de marche intensive dans le centre de Rome hier. Aujourd'hui, ce matin, on est venu visiter les thermes de Caracalla. Les thermes de Caracalla étaient construites au début du 3e siècle après Jésus-Christ. C'est le deuxième plus grand complexe thermal de Rome et apparemment c'était libre d'accès et gratuit, utilisé par tout le monde, les riches et les pauvres, les sénateurs et même les esclaves, sans distinction de classe. C'est magnifique. Commencé par l'empereur Septimius Severus, la construction fut achevée par son fils Caracalla, qui était très mal vu parce qu'il avait fait assassiner son frère et beaucoup de l'aristocratie de Rome à l'époque. Et du coup, il a fait construire en quelque chose comme 4 ans, très rapidement, parce qu'il voulait améliorer son image. À l'origine, le complexe était très richement décoré avec des mosaïques et des statues partout, et avec un plafond doré. Aujourd'hui, les bains se visitent facilement. L'entrée est un petit peu chère, c'est 10 euros par personne, sans audio guide cause Covid. Ce qui est un peu dommage parce qu'ils ont augmenté les prix et retiré l'audio guide, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais bon. Et nous, ça nous a pris peut-être une heure de faire le tour en prenant beaucoup de photos, faisant les vidéos, tout ça. Par contre, le site est vraiment très très beau. Les tours sont immenses, je ne sais pas si on se rend compte en vidéo de la taille du lieu. C'est dommage de manquer ça. Voilà, ça devait être magnifique dans le passé. Aujourd'hui, ça sert plus pour des nids d'oiseaux, particulièrement des perroquets. Il y a énormément de perroquets verts à Rome et ils semblent avoir élu domicile ici dans les trous des roches. Donc vraiment très joli endroit. De retour à Junior, on va maintenant aller visiter des sites un petit peu plus éloigné du centre, quand je dis des sites, normalement deux. Donc on va bouger de notre site où on a passé ces trois dernières nuits, quatre dernières nuits, hein, je crois bien. Voilà, à 10-15 minutes en bus du centre, au calme, dans de la verdure, pour 20 euros par jour, avec l'eau gratuite. Honnêtement, on était pas mal ici. Hein. Allez, bougeons! Nous voilà donc sur la route de Via Appia Antica, qui a été construite en 300 avant Jésus-Christ et qui va de Rome jusqu'aux Pouilles. Donc c'est une très longue route de 500 km et très très vieille. Elle est toujours en utilisation aujourd'hui. Certaines parties ont été classées et sont interdites aux voitures. On y trouve énormément de monuments tout du long. Les riches familles romaines enterraient leurs proches ici. Donc on y trouve beaucoup de catacombes, beaucoup de mausolées, des maisons d'été. Il y a énormément de choses à visiter sur cette route. Et nous, on avait juste envie de marcher sur l'histoire. Alors voilà. You're very cute. You're
Oh, extremely cute. Une chose que j'ai pas encore précisé jusqu'ici, c'est que Rome est la ville des chats. On est passé au théâtre antique qui abrite des centaines et des centaines de chats. J'ai pas enregistré parce que forcément, on a fait Rome sous la pluie, donc autant vous dire que les chats, on n'en a pas vu tant que ça. On les voyait cachés à l'abri, endormis sous des rochers, mais voilà, on n'a pas pu profiter de Rome ville des chats. Aujourd'hui, il ne pleut pas, alors on en a croisé quelques-uns sur la Via Antica. Et je crois que celui-là nous a adoptés. Très jolie promenade. Et on va passer à la suite et aller visiter, nous également, une crypte. C'est parti. Ok, on va aller visiter les catacombes. Par contre, il est interdit de filmer et de photographier, donc à tout à l'heure. C'est donc devant un fessier que je vais vous donner la conclusion des catacombes de Saint-Calixte. Donc on recommande absolument ce site, c'était passionnant. Il faut réserver en avance et vous allez pouvoir choisir la langue de la visite. Vous avez un guide, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, nous c'était un prêtre qui nous a fait la guide, la visite en français. Et le site est immense, c'est une vingtaine de kilomètres souterrains, creusé par l'homme dans du tuf. Et c'était vraiment très très intéressant, j'ai pas envie de tout vous spoiler, allez-y, je recommande absolument, c'était ma visite préférée qu'on a fait à Rome. Donc sinon, on va terminer notre visite de Rome ici, dans les villas Adriana à Tivoli, et on vous dit à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao !